Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Board. Alors aujourd'hui au Board, je fais venir non pas un ou une invitée, mais quatre invités, truc de fou. On va avoir un échange à cinq voix, alors je ne sais pas du tout ce que ça va donner, c'est la première fois que je fais ça, mais qui dit invité exceptionnel, dit thème exceptionnel. Aujourd'hui dans le Board, j'avais envie de donner la parole à une espèce rare dans l'entreprise, des jeunes. Alors je dis rare parce qu'en ce moment, en mode Covid et compagnie, ils sont d'autant plus rares parce que recruter des juniors, des stagiaires, etc. dans ces conditions, c'est pas simple. Et d'ailleurs, on va en profiter pour dire aux entreprises, aux dirigeants qui nous écoutent et aux entrepreneurs que c'est le moment d'encourager les jeunes dans l'entrée de la vie active. Alors aujourd'hui, je vous propose un épisode sur ce que vos stagiaires ou ce que vos juniors n'ont jamais osé vous dire. Oui, à vous, les dirigeants, les managers, les maîtres de stage. Je vous préviens, ça va faire un petit peu mal, mais ça va nous faire du bien aussi. Déjà, on va se prendre un petit coup de vieux au passage. Mais bon, c'est aussi l'occasion de profiter de toute cette jeunesse à mon micro pour se reformer et se remettre, on va dire, à la pointe des tendances. Donc, pour cela, à mon micro, je les remercie énormément. J'accueille des juniors talentueux qui ont fait leur début dans des entreprises où j'ai travaillé et que j'ai connues dans mon expérience professionnelle, soit j'étais leur pauvre maître de stage et je vais avoir droit à un feedback carabiné, mais pas forcément, on a pu se côtoyer. Donc, je vais commencer à leur laisser la parole et qu'ils se présentent. Alors, Camille Aubryl, bienvenue. Camille, est-ce que tu veux bien te présenter? Oui, alors du coup j'ai 24 ans, je travaille actuellement donc chez Doctolib et je suis en fait Sales Development Representative, donc c'est le premier maillon de la chaîne commerciale. Waouh, voilà. En quelques mots. Nous avons une représentante d'une licorne à la française, donc je suis vraiment honorée, Camille, que tu nous prennes un peu de temps d'antenne avec nous. Alors nous avons également Romain Grard. Romain, salut, est-ce que tu veux bien te présenter? Oui, alors moi c'est Romain, j'ai 23 ans, je suis en dernière année d'études au sein de l'école de commerce Kedge, où je fais un master en management des achats internationaux et j'effectue tout ça en alternance au sein du groupe Albea. Ok, ouais, beau parcours également, donc bienvenue à toi Romain. Alors je ne fais pas par ordre de grandeur, j'allais dire, ouais. Non, je fais un peu par éloignement géographique, on va dire. Bon, Zacharia Hamek est avec nous également. Zacharia, est-ce que tu veux bien te présenter? Alors moi c'est Zach, j'ai 28 ans et je suis commercial dans l'agroalimentaire, dans la grande distribution, chez Super. Innocent. J'adore Innocent, j'adore cette marque, trop bien, merci. Et donc loin des yeux mais pas loin du cœur, Raphaël Rousseau, bienvenue Raphaël, est-ce que tu veux bien te présenter? Merci, alors moi c'est Raphaël, 29 ans, donc je vis à Montréal depuis 3 ans et je travaille pour le groupe Volvo. Du côté achat, et j'ai un peu bifurqué parce que quand j'ai rencontré Flavie, j'étais plus du côté commercial, donc une bifurcation aussi, mais je suis aussi dans le domaine automobile finalement. C'est moi qui l'ai dégoûté. Ça commence bien. Non, je plaisante. Ouais. Franchement, ravie. Donc, on a un magnifique panel. Déjà, vous avez une belle carrière qui commence sur tous les continents et tout. Donc, c'est top. Merci. Je vous avais dit qu'on se recroiserait parce que je vous avais dit qu'éventuellement, vous pourriez me trouver un job plus tard, etc. Donc, j'en profite pour avoir mes entrées auprès de vous en vous interviewant dans ce podcast. J'avoue, je suis un peu frustrée aussi des podcasts, des lives, des interviews en général parce que on ne voit pas trop la tranche d'âge dans laquelle vous êtes, peut-être parce que vous n'avez pas encore de credential ou de à votre actif pour être interviewé. Je trouve que c'est bien dommage parce que vous avez plein de choses à dire et quand on passe du temps ensemble sur à bosser, on voit tout ce que vous pouvez nous apprendre. Alors, j'ai envie qu'on commence par cette question qui fâche, parce que des fois, dans votre position junior, vous n'avez pas toujours voix au chapitre ou la possibilité de faire un feedback, vous n'osez pas trop, peut-être, à vos managers. Alors, ma première question pour vous, ça va être, qu'est-ce que vous avez eu envie de donner comme feedback ou comme axe d'amélioration à vos maîtres de stage et que vous n'avez jamais osé leur dire? Et pour ça, on va commencer avec toi, Raphaël, parce que je crois que tu avais un message pour moi. Et du coup, commençons là où ça fait mal. Alors, Raphaël, c'est quoi ton feedback pour moi lors de mes maîtres de stage? À la fois positif et un petit peu constructif, puisque moi, j'ai vraiment adoré travailler avec toi, Flavie, pendant 6 mois. C'était parmi mes premières expériences longues professionnelles en stage, et j'ai vraiment aimé pour plein de raisons, et notamment pour ta capacité à avoir
plein d'idées à la minute, si je peux dire. Donc, c'était vraiment toujours être dans l'efficacité et la créativité en même temps. Donc, ça alors a été du très, coup, très intense. Je sens le feedback voilé, Raphaël. Donc, trop d'idées à la minute, c'est ça? Moi, j'adore avoir plein d'idées à la minute. Je trouve ça génial. Par contre, il faut être capable d'assumer derrière en termes d'efficacité. Et ça m'a peut-être un peu surpris au départ. Et de temps en temps, j'aurais aimé un petit peu peut-être faire le point sur le rythme ou être peut-être un peu dans des différents rythmes et pas forcément toujours avoir l'impression de courir derrière Flavie qui est déjà 10 km devant. Mais honnêtement, ça m'a énormément appris en termes d'efficacité dans ma vie professionnelle. Et d'ailleurs, mon maître de stage suivant, il a été bien surpris de voir le niveau d'énergie avec lequel j'ai débarqué dans son stage après que tu m'aies boosté comme ça pendant 6 mois. Donc, je dirais qu'il y avait vraiment du bon d'être dans la créativité, même dans des opérations qui sont vraiment très terrain, dans la vente, des choses comme ça, c'est parfois difficile de prendre du recul et d'avoir de la créativité. Mais être dans ces deux, dans ces deux fonctions, d'être vraiment créatif et efficace, ça m'a permis d'apprendre beaucoup dans ces premiers mois. Bon, ben, c'est cool, merci beaucoup pour ce... C'est bien, t'es courageux d'ouvrir le round. Ça va, c'était pas trop dur. Non, franchement, je peux en prendre plus encore, n'hésitez pas. Et puis non, mais surtout que les dirigeants qui nous écoutent ne se sentent pas visés. Le but, c'est pas de critiquer, parce qu'on sait bien que vous apprenez aussi de nos erreurs. Nous, on fait pareil avec nos managers. Maintenant, je trouve que c'est intéressant aussi parce que votre arrivée dans l'entreprise, c'est révélateur. En 4 mois, 6 mois, vous devez vous adapter et tout. Donc, ça nous aide bien à mettre en place des façons d'intégrer les gens qui soient peut-être meilleures que celles qu'on a aujourd'hui. Romain, j'avais envie que tu prennes la suite. Quel serait, toi, ton conseil aux managers qui travaillent avec des juniors? Ok, bah alors moi je pense que c'est plus un conseil pour les maîtres de stage ou managers qui sont dans la même boîte depuis on va dire 10-15 ans. Moi je pense qu'il faut savoir prendre le temps d'écouter les nouvelles générations. Bon, je dis pas qu'on a forcément toujours raison, mais je pense qu'il y a pas mal d'idées qui valent la peine d'être écoutées et qui sait pourquoi pas faire émerger après de nouvelles idées qui pourraient construire un peu plus de nouvelles stratégies derrière. Donc pour moi, c'est ça, c'est peut-être les managers un peu archaïques qui savent un peu écouter les nouvelles générations pour mieux comprendre et mieux peut-être avoir une vision différente du monde. Et du coup, pardon si je te coupe, mais si tu as l'impression de ne pas avoir été écouté, ou qu'est-ce qu'on pourrait faire concrètement? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour qu'il y ait plus d'écoute? Ça passerait par quoi d'après toi? Bah pour moi, c'est le fait de mettre, moi j'ai vu dans mes expériences précédentes, tout ce qui est ce système de points plus informel, enlever un peu la formalité dans les points avec les managers et un peu voir discuter de ce qui va pas, voir les charges de travail. Et après, je pense que ça peut être abordé lors de ce genre de discussion, mais tout ce qui est points informels, de manière mensuelle, je pense que c'est un bon rythme de faire ça tous les mois pour un peu se poser et voir... de manière assez générale, tout ce qui... Ouais. Côté informel, quoi, pour que tu oses plus t'exprimer, quoi, c'est ça? Exactement, exactement. Ok, c'est noté. Ça marche. Et toi, Camille, alors, qu'est-ce que tu n'as jamais osé dire à ton ou ta maître de stage? Alors, bah, moi, du coup, c'est un conseil vraiment du coup, personnel. C'est vrai que souvent, dans mes stages, je me suis souvent retrouvée... des entreprises qui sont déjà bien développées et avec des managers en fait qui n'avaient jamais eu de stagiaire ou qui en avaient très peu. Et souvent en fait je me retrouvais, en entretien on demande souvent aux stagiaires d'être autonomes. Et en fait je me retrouvais en stage tout de suite en autonomie et où on me lâchait en fait complètement toute seule. Et je me suis souvent retrouvée en stage du coup seule et sans que mon maître de stage soit très présent à mes côtés au début. Enfin, je suis un peu quelqu'un qui avait besoin d'être rassurée, on va dire, en tant que stagiaire. Et du coup, bah, pour le coup, c'est quelque chose que j'ai complètement eu à l'inverse avec toi, parce que tu étais beaucoup en déplacement et pourtant, tu as beaucoup été là pour moi au début, où on avait beaucoup de points ensemble, on avait quand même pas mal de choses, où il y avait un suivi. Et c'est là que je me suis rendu compte que je préférais quand même avoir ce type de relation avec mon maître de stage que le maître de stage qui tout de suite disparaît et que je vois vraiment une fois toutes les 2 semaines. Il y a peut-être un juste équilibre, c'est ça que tu veux dire, entre trop et pas assez. Oui, c'est ça l'équilibre, voilà. Entre l'autonomie totale et l'autonomie
La bonne autonomie. Limité. Bon, après, Camille, franchement, je te dis bravo parce que, enfin, à vous tous, mais Camille, elle a eu des conditions spéciales. En plus, je suis partie en congé maternité pendant. Oui, mais c'était à la fin. Voilà, non, mais ça tombe bien. C'est comme quoi on peut être aussi stagiaire et super autonome dans ses missions. Donc, merci beaucoup. Allez, Zacharia, tu fermes le bal sur ce qu'on n'a jamais osé dire à son manager en tant que stagiaire ou en tant que junior. Régale-nous. Alors moi, c'est plus une idée pour les maîtres de stage. C'est de, au début du stage, comme le stage, c'est une période d'apprentissage, c'est la transition entre l'étudiante et le monde du travail, c'est que le maître de stage, il se met dans une vraie optique de, en gros, d'aider le stagiaire pour sa vie professionnelle plus tard. Et du coup, il fait une phase d'observation et comme ça, il identifie tout de suite les points faibles et des choses qui pourront malheureusement le suivre toute sa carrière. Et du coup, là, le confronter à ça, le mettre volontairement, pas de façon méchante, mais volontairement devant des situations où il est obligé, il n'a pas le choix, il faut qu'il passe au-dessus. Et ensuite, faire comme ça, il apprend de façon naturelle et ça reste durable vu qu'il l'a fait lui-même et ensuite faire du feedback. Ouais, bah c'est une bonne idée. Non, mais c'est top. Mais alors, tu vois, ce que tu proposes, je trouve ça génial, mais ça sous-entend que du coup, il ne faut pas avoir une vision utilitariste aussi de ses collaborateurs, voilà. Au sens large. Il ne faut pas juste faire en sorte qu'ils matchent avec la fiche de poste, mais il faut aller presque avoir une vision de coach déjà. Et, exactement. Et dès ce niveau d'entrée dans l'entreprise pour repérer le potentiel et tout ça. Bon, après, j'ai plein de managers qui nous écoutent qui vont être trop contents d'entendre ça parce qu'ils ont cette idée-là aussi pour leurs collaborateurs. Et moi, je trouve que quand on accueille un junior, un stagiaire et tout, vous faites vraiment partie de l'équipe, quoi. Vous n'êtes pas à part. On fait des réunions ensemble et tout, donc je trouve que c'est important de, ben, voilà, d'intégrer cette dimension de coaching-là. Bon, merci beaucoup, ça va, vous avez été gentil quand même, hein. N'hésitez pas à vous lâcher un peu plus dans les prochains, vous n'aurez pas de représailles. De toute façon, on a donné vos faux noms. Non, je fais ça. Bon, en tout cas, c'est un big up aussi pour mes anciens maîtres de stage. Moi, je m'excuse pour toutes mes gueules de bois. Non, je plaisante. Enfin, non, pas trop. Mais en tout cas, merci pour votre patience et tout. Et puis, voilà, vous m'avez appris plein de choses aussi. Et moi, tu vois, c'est marrant, je me rappelle plus trop des trucs négatifs. Donc, comme quoi aussi, on oublie, on se rappelle que des choses qui nous arrangent à la fin de notre parcours. Mais moi aussi, j'étais dans un collectif avec plusieurs stagiaires, pour rebondir sur ce que tu disais, Camille. Et vous aussi, Camille, Romain, vous étiez en stage ensemble. Donc ça peut être, je trouve aussi, une idée pas mal. C'est le collectif pour parer au moment où le manager n'est pas toujours disponible tout le temps. Voilà, versus toi, Raphaël ou Zach, où vous étiez peut-être un peu plus solo dans l'entreprise, il n'y avait peut-être pas trop de gens de votre âge, où bon, du coup, c'est un peu plus compliqué pour s'intégrer, peut-être. Si on avance un peu aussi, moi, j'aimerais bien avoir votre vision maintenant de jeunes collaborateurs dans l'entreprise, dans le milieu corporate. Qu'est-ce que vous voyez un peu comme tendance émerger en ce moment, Romain? Qu'est-ce que tu as comme tendance en ce moment dans ton radar corporate? Ah, mais moi, la chose que je vois se démocratiser, mais à vitesse grand V, c'est le télétravail. Ça, c'est indéniable. Avec la crise du Covid, je pense que ça va bouleverser un peu les méthodes de travailler pour même les grands groupes. Je pense qu'avec cette période, ils n'ont pas eu le choix. Ils ont dû mettre des collaborateurs en télétravail. Et au final, ils se sont rendus compte que même en étant chez soi, on peut être productif, voire encore plus productif qu'en open space. Donc moi, je pense que du moins le flex office, ça va devenir quelque chose d'assez démocratisé. Je vois beaucoup dans mon feed LinkedIn où il y a des sondages pour savoir si c'est mieux 30% en présentiel, 70% en télétravail. Donc je vois vraiment cette problématique qui est en train d'émerger, je pense que ça va bouleverser les méthodes de travail, c'est sûr. Ouais, c'est top. Mais tu veux dire qu'il y avait un gap de confiance sur ce que vous pouvez faire comme rendement depuis chez vous, surtout pour vous, les jeunes? Je pense que dans les grands groupes, c'est quelque chose de difficile à inculquer. Après, tout dépend de la culture de l'entreprise. Mais si je peux comparer, moi, de mon ressenti perso, je pense qu'il fallait faire ses preuves et la crise du Covid a permis d'accentuer, d'obliger en fait les entreprises à mettre en place le télétravail et puis se rendre compte aussi que on peut être plus productif chez nous. Ouais. Bon, mais moi j'en ai aucun doute, mais bon, attention quand même aux stories Instagram pendant le télétravail. Non, je rigole. Faut pas le dire. Ouais, faut pas le dire. Non, faut avoir deux comptes séparés comme moi.
Non mais du coup, Raph, toi qui es outre-Atlantique, est-ce que, bon ça j'imagine c'est une tendance assez prégnante aussi chez toi, mais est-ce que tu vois d'autres tendances émerger sur le monde du travail Ouais, je pense que ce qui me vient à l'idée, c'est plus une recherche d'authenticité de plus en plus à plein de niveaux différents. Ça rejoint un petit peu aussi ce que disait Romain à certains niveaux où on cherche de l'authenticité dans la façon dont on organise nos journées, dont on cherche à pas se déplacer trop, à être plus dans une optique de recherche de résultats plutôt que de moyens. Et je pense que on le retrouve à plein de niveaux, comme par exemple la consommation, le recrutement. Moi, je le vois aussi plus au niveau des techniques de vente. C'est vraiment des choses qui ont évolué. On cherche beaucoup plus l'authenticité. On compare plus la vente comme un puzzle où on adapte les pièces les unes dans les autres, plutôt qu'avant, on était plus dans la manipulation ou plus le marketing, l'image, la notoriété ou le prix, par exemple. Donc moi, je vois vraiment cette tendance de l'authenticité qui revient de plus en plus. Et si ces rythmes de vie différents, avec des histoires qui sont aussi particulières dans ces temps de pandémie, je pense que ça accentue encore ça. On est tous dans cette recherche. Tu veux dire, tu sens aussi que les managers, même les plus vieux, comme moi, sont plus authentiques qu'avant? Ils sont plus humains, quelque part, aussi? Je pense qu'ils s'adaptent aussi aux nouvelles générations qui cherchent ça, mais forcément, quand on veut recruter des gens, des millennials, etc., qui ont vraiment ce besoin d'avoir les mêmes valeurs que l'entreprise, et puis on voit que les marques aussi s'adaptent de plus en plus à ce genre de besoin. En fait, l'éthique prend une place beaucoup plus importante, l'écologie, évidemment, c'est quelque chose qui est grandissant, et même la façon de consommer. Je pense qu'à tout niveau, on peut voir qu'il y a vraiment des choses qui forcent un petit peu les générations les plus anciennes, peut-être, à changer leur modèle et à s'adapter un peu plus à ce mode de consommation. Ouais, mais carrément. Bah du coup, merci pour ça. Et du coup, moi, je me pose une question. Peut-être que c'est pas. Enfin, vous avez peut-être pas les mêmes modèles aussi vous, votre génération, que ce qu'on a pu avoir nous dans le passé, notamment avec l'évolution des marques à l'aune de cette authenticité, de cette éthique. C'est quoi vos entreprises un peu modèles, vos sources d'inspiration, vos business models qui vous inspirent, Camille? Alors, bah, du coup, moi, c'est pas vraiment un business, c'est plus un type de dirigeant. C'est vrai qu'aujourd'hui, les dirigeants, déjà des jeunes dirigeants, il y en a de plus en plus, des entrepreneurs. Mmh. Et ce qui m'impressionne chez certains, c'est leur capacité de bon orateur. Et du coup d'éloquence. Et en fait, l'exemple un peu facile, on va dire, que j'ai trouvé, c'est mon dirigeant actuel, qui est le créateur de Doctolib, et qui en fait est un super bon orateur, qui a une éloquence qui est assez impressionnante. Et c'est vrai que pour lui, il nous le raconte en fait à chaque fois lors de nos formations quand on rentre. On a tous une semaine de formation, chaque nouvel entrant. Et en fait, on rencontre le créateur dès le début, et il nous explique qu'en fait au début c'était vraiment difficile pour lui de, rien que exemple simple, prendre rendez-vous chez le docteur, et qu'aujourd'hui on peut le voir passer à la radio, il tient des conférences avec tous les employés de l'entreprise où on est quand même aujourd'hui quasiment 1500, il parle plusieurs langues, et en fait il a vraiment eu un parcours qui, je trouve, impressionnant à ce niveau-là. Il a vraiment su s'améliorer, alors que ça reste quand même, je trouve, une personne assez jeune, et voilà, c'est un entrepreneur, quoi. Il s'est développé c'est lui-même. Top, parce que tu vois, tu dis c'est un parcours impressionnant, mais en même temps tu peux t'identifier, parce qu'il te raconte aussi tous les points communs que vous avez, quoi. C'est-à-dire qu'on a tous commencé à un moment, on était un peu naze sur des trucs, et puis il a créé une magnifique boîte, donc. C'est super. Alors bon, j'essaye de transférer ça dans d'autres niveaux de l'entreprise quand on n'est pas aussi charismatique, mais bon, je suis sûre qu'on a des histoires inspirantes quand même à raconter. Tu mets la barre haut, quoi, Camille, c'est juste ça. Non, mais c'est vrai qu'au début, ils étaient quand même pas beaucoup. Enfin, ça reste une entreprise qui a énormément évolué au niveau des employés. Et ils disaient, au début, c'est moi qui faisais le porte-à-porte, c'est moi qui faisais tout, quoi. Donc, c'est impressionnant de voir qu'il est passé de porte-à-porte à ce qu'il fait aujourd'hui aussi. Ouais. Et qu'il a réussi à rester au devant de la scène, on va dire. Il est toujours là pour les employés. Il est quand même assez présent sur plein de choses. Donc, voilà. Bon, c'est cool. Et toi, Romain, c'est quoi les boîtes qui te font un peu rêver? Ou les dirigeants? Alors, les boîtes, bon, le secteur va pas te surprendre. Si tu me connais bien, je vais me tourner vers la restauration. Pour moi, il y a deux boîtes que j'admire particulièrement. La première, c'est le groupe Big Mama,
Pour moi, c'est une boîte qui a su vraiment montrer qu'en étant créatif, on peut quand même percer dans un marché qui est très concurrentiel, surtout le marché de la restauration italienne. Donc pour moi, c'est quand même quelque chose d'assez impressionnant, surtout qu'après 5-6 ans, on peut se balader dans la rue à Paris ou même à Lille, où ils viennent d'ouvrir à Londres aussi. Il y a toujours autant de monde qui attend l'ouverture du restaurant après X années. Donc ça, je trouve ça assez fort. Et récemment, j'ai entendu aussi le phénomène, c'est Pokawa. Donc c'est les Pokeballs, je pense que ça commence à se répandre partout en France. Et je trouve ça assez ouf parce qu'ils ont créé l'entreprise en 2017 et en 3 ans, ils ont quasiment une trentaine de restaurants en France. Et j'ai vu aussi un KPI que je trouve ça assez énorme, c'est qu'en 2019, de mémoire, un de leurs plats était donc c'était le plat le plus commandé en termes de volume sur la plateforme Deliveroo à l'échelle mondiale. Donc ça, je trouve ça assez impressionnant. Donc franchement, c'est deux business qui m'épatent. Ouais. Donc bon, vous êtes quand même un peu sur des nouveaux business, quoi. Zakaria, je t'ai pas posé la question, toi, de tes marques ou de tes dirigeants ou de tes business models qui te font un peu rêver. Alors, moi, j'aime bien le fonctionnement un peu des startups en général. Parce que c'est surtout la méthode de travail et l'environnement. Et je trouve que c'est important de travailler dans un environnement qui favorise un peu la motivation et voilà, en gros. Et du coup, mais ça c'est super fascinant parce que vous en parlez quand même tous pas mal de cet environnement-là. Il a aussi des petits côtés décriés, hein. On va en parler après, hein. L'environnement startup, tout n'est pas rose non plus, mais quand même il y a ce côté vraiment motivant de l'innovation, etc. Zach, toi, qu'est-ce qui te motive dans le travail et qu'est-ce qui te peut complètement te démotiver à contrario? Alors, ce qui me motive, c'est les valeurs de l'entreprise. Quand je trouve que quand tu te reconnais dans les valeurs de l'entreprise, tu es d'accord avec là où va l'entreprise, et ben tu as envie d'y aller avec elle, tu as envie de t'investir. Et je trouve ça c'est important. Et ce qui me démotive, c'est vraiment quand il y a beaucoup c'est dur, quand l'entreprise elle est pas souple, un manque de réactivité. Ça, c'est point négatif. Et moi aussi, alors ça veut dire que je suis jeune, au moins dans ma tête. Non, ouais, ok, cool. Mais merci pour ton feedback. Et toi, Camille, qu'est-ce qui est genre un go, no go en termes de motivation pour toi? Bah, c'est vrai que je rejoins un petit peu Zach sur l'idée des valeurs d'entreprise. Que ce soit chez Doctolib ou même quand j'étais en stage, j'ai souvent été dans des entreprises qui sont très aussi corporate. Et en fait, je trouve ça super motivant dans une entreprise où on sent que tous les employés, ils aiment l'entreprise dans laquelle ils sont. Et en fait, ils en sont fiers. Ils sont capables de porter le t-shirt de l'entreprise que normalement on n'a que pour les événements internes, la journée aussi, quand ils sortent avec leurs amis. Enfin, je trouve ça vraiment cool de se dire, je suis dans une entreprise où je suis fière de ce qu'ils font et je suis fière de l'environnement global. Et du coup, j'ai envie de le montrer à tout le monde que je suis dans cette entreprise. Oh, c'est Je génial, trouve ça. attends, je retiens le cool test. Vous donnez un t-shirt de votre boîte à vos employés et s'ils ne le mettent pas pour sortir, c'est que bon, bah, il y a du boulot. mais j'ai toujours mon foulard Sixte, par exemple, tu vois. Évidemment, Mais pas tous les tu le jours, mets à mais. toutes les soirées, enfin plutôt les soirées habillées. Soirée Halloween pour mettre un peu d'orange, mais. Non, mais c'est bien. Ok, merci beaucoup. Et Raphaël, toi, qu'est-ce qui serait un facteur de motivation ou de démotivation pour toi? Oui, je rejoins un petit peu les idées qui ont déjà été dites, puis c'est un peu ça rejoint un peu le feedback au départ, ce qu'on disait par rapport au stage aussi, d'être aligné avec les valeurs, puis d'être vu pour un potentiel aussi de choses qu'on peut réaliser dans ces missions. Moi, j'aime beaucoup être accompagné par des gens qui sont motivés, qui sont bons et qui me voient aussi comme complémentaire à ce que eux peuvent faire. Et je pense qu'au quotidien, c'est important d'être dans cet esprit d'équipe où on est tous complémentaires et on fait tous quelque chose dans le challenge. Moi, j'aimerais mettre une petite critique par rapport aux grands groupes parce que je suis quand même un entrepreneur dans l'âme et c'est quelque chose que là, actuellement, chez Volvo, peut-être j'ai comme axe de développement. C'est vraiment d'être plus dans ce côté esprit d'équipe. Il y a des moments que dans des grands groupes, on se retrouve à être les uns contre les autres, entre les services, entre les budgets,
Où on fait finalement 70% de politique interne et puis 30% de projets externes. Donc c'est des choses qui sont un peu difficiles, puis c'est normal quand on a une grosse machine, il faut trouver des façons de travailler ensemble. Et moi j'aime aussi sentir ce côté-là presque un peu sportif, de se dire mais on est tous ensemble et on va gagner. Voilà, donc c'est un peu Ouais, ça qui compte. c'est sûr que là, me lance pas sur le sujet de la politique, mais je pense que vous avez dû le vivre, vous, en tant qu'insider, quand vous arrivez dans la boîte, vous voyez tous ces jeux politiques et tout. Là, en fait, ça se voit pas, ça se voit que à la vidéo. Allez voir le YouTube parce que c'est trop marrant, vous avez tous hoché la tête en même temps. De ouf! Mais tiens, je fais une petite. Non, je reposerai la question juste après, là, sur la politique. Mais Romain, pour finir, qu'est-ce qui. Comme vous êtes un peu aussi représentant de cette génération là de jeunes qui arrivent dans l'entreprise, qu'est-ce qui te démotive et qu'est-ce qui te motive? Ça, c'est une bonne question. Ce qui me motive, franchement, c'est le fait de se sentir valorisé au sein de l'entreprise. Je trouve que c'est assez valorisant, du coup, de sentir poussé, surtout en tant que junior, de pas juste avoir ses tâches à faire et ça s'arrête là, de pouvoir limite avoir une tâche de fond sur le côté assigné par le manager, ou même que le junior soit force de proposition pour travailler sur une tâche de fond. Je trouve ça assez intéressant parce qu'au final, ça peut être une tâche qui vient de nous-mêmes. Moi, je vois dans les achats, par exemple, on était dans une période assez compliquée où ben, fallait un peu repenser toutes nos stratégies achats en termes de délai de livraison, etc. Je trouve que c'est aussi. Enfin, moi, de mon plein gré, j'ai voulu m'investir sur ce projet parce que je trouvais ça passionnant et d'avoir des managers qui te soutiennent derrière pour dire ben, vas-y, tu peux mettre ton grain de sel sur ce projet, c'est super valorisant, je trouve. Bon, ben cool. Ben écoute, en tout cas, merci pour vos témoignages. Je sais pas si vous êtes représentatif. Moi, j'aime pas trop l'idée de représentation, même générationnelle, parce que je trouve que c'est un peu bidon, parce que vous avez tous des caractères différents, des parcours différents. Mais bon, quand même, vous avez quand même aussi, vous arrivez dans l'entreprise à peu près au même moment, et du coup, vous voyez avec un côté extérieur tous les défauts de l'entreprise. Donc, c'est à vous de nous aider à les corriger aussi, je crois. Du coup, une petite question sur ça. Vous avez vu vos maîtres de stage travailler, donc vous avez vu aussi leurs défauts, les outils qu'ils utilisaient, etc. Est-ce que vous avez vu des trucs un peu bizarres où vous avez envie de dire, oh là là, faut arrêter ça, ou bah non, moi j'utilise ça, c'est beaucoup mieux, des choses que vous auriez aimé mettre en place et que vous n'avez pas vraiment trop osé faire, peut-être du dépassement de fonction, comme tu disais, Romain. Zach, vas-y, je te lance là-dessus. Outils, Ah, moi, tips, conseils. moi, un outil que j'apprécie beaucoup, 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 c'est simple, c'est Dropbox. Pourquoi Dropbox? Parce que c'est dans un même endroit, tu as toutes les informations qu'il te faut. Et surtout, le plus important, c'est que le Dropbox soit l'architecture des dossiers, des sous-dossiers, elle soit impeccable de telle sorte à trouver toutes les informations vraiment en quelques secondes. En plus, c'est disponible sur application, sur smartphone. Et du coup, quand on est en déplacement, on n'est jamais à l'abri d'avoir oublié un document ou d'avoir un trou de mémoire, d'avoir une question surprise. Et ben, en vite fait, on a la réponse. T'étais nomade avant l'heure, en gros, quoi. Et tu trouves peut-être qu'on est peut-être un peu trop sédentaire dans les bureaux, là, avec nos dossiers de papier et tout. Ouais, c'est ça, Ou exactement. alors j'étais traumatisée parce que je rangeais jamais mes dossiers sur l'ordinateur. Non, je rigole. Mais Ok. Dropbox, c'est trop bien comme ça. Bah cool, bah ouais, nomadisme, moi j'apprécie, je pense qu'on a beaucoup de choses à apprendre aussi là-dessus. Les autres, est-ce que vous avez un conseil, une idée, un outil, quelque chose qui vous fait tilt, que vous auriez envie de suggérer aux auditeurs, auditrices plutôt de mon âge? Bonne Allez, question, mais ou peut-être un mode de management ou une source d'inspiration, je sais pas, un truc que vous utilisez au quotidien. non, je pense qu'il y a beaucoup de situations où moi j'essaie d'amener des outils que je trouve sur le web, des choses que des applications, et puis souvent c'est difficile de convaincre d'autres personnes en interne qui veulent vraiment pas passer l'heure à comprendre cet outil avant de gagner des dizaines d'heures. Je pense que c'est important et c'est quelque chose que j'essaie de valoriser, de passer un peu de temps à comprendre et puis voir des nouveaux outils avant de simplement décider de rester sur sa feuille Excel pendant des heures et des heures. Bon, donc les gars,
On compte sur vous pour faire du reverse mentoring avec vos stagiaires et vos juniors. Non, mais franchement, on compte sur vous aussi pour nous former sur ça. Hein. Donc, si vous avez des barrières à l'entrée, il faut les forcer. Hein. Parce que nous, on va rester à l'âge de pierre et ça ne va pas du tout. Voilà. Donc, écoute, merci Raph, merci Zach pour le conseil. On avance, mais bon, j'aurais des milliards de questions à vous poser, mais de toute façon, je vais mettre vos coordonnées, on pourra vous joindre pour continuer à discuter avec vous, essayer de vous embaucher ou autre. Non, je ne vais pas me faire des amis avec vos actuels chefs, donc bien sûr que non. Enfin, faites ça discrètement, en tout cas, s'il vous plaît, la business communauté du board. N'essayez pas de les débaucher sur LinkedIn dans le message groupé. Est-ce que vous pouvez me donner chacun un dernier conseil? Et vraiment presque un peu votre message aux dirigeants concernant la jeune génération que vous êtes dans le monde corporate ou entrepreneurial. Alors, qui se sent de commencer? Oui, moi, je peux y aller si vous voulez. Allez, Raph, on t'écoute. Moi, je vais commencer je suis un peu le représentant de l'international, là, donc dans la conversation. Donc, je vais commencer par un message un peu plus grand, où je voudrais vraiment inciter les entrepreneurs et puis les dirigeants français à vraiment croire en leurs compétences. Moi, je suis arrivé un petit peu en Amérique du Nord en me disant que c'était un peu le pays du business, qu'il y avait beaucoup de choses. Alors oui, effectivement, c'est un pays où il y a beaucoup de choses, mais c'est plus au niveau de leur culture et de leur vision que vraiment au niveau des outils ou de leurs compétences. Donc je pense qu'en France, on a beaucoup de choses qui sont vraiment, qui fonctionnent très très bien. On a une façon de voir les interactions, la construction, on a une culture qui est très très, très juste. Et simplement, on a un petit peu des petits complexes de se dire si c'est pas parfait, si je suis pas vraiment compétent sur tous les plans, je vais pas y aller. Et c'est un petit peu dommage parce que je me rends compte qu'ici, c'est plutôt l'inverse, où c'est des fonceurs qui vont et qui sont, comment dire, qui ont un élan directement en se disant j'y vais, je prends le challenge et puis je fonce tout droit. Et les deux logiques ont un petit peu du bon, mais je pense qu'on aurait vraiment du positif en France à se dire oui, on y va et puis on verra sur le tas comment ça va se passer parce qu'on a vraiment beaucoup d'atouts en main et on s'en rend pas compte. Non, mais quand je vous dis qu'ils sont géniaux, ces juniors, attends, Raphaël, enregistre-moi des messages de motivation comme ça, s'il te plaît, parce que là, tu m'as regonflé à bloc. Moi qui travaille dans un contexte international, en plus, c'est vrai que souvent, on a tendance à avoir des complexes et tout. Donc, non, c'est top. Bah, écoute, j'espère que ce message va inspirer confiance. Fixe au Québec, bientôt, alors. Ouais. Et puis, donner envie aussi aux gens, peut-être, de se lancer aussi, de s'expatrier, d'aller travailler dans d'autres cultures, puisque vous avez des choses à apporter. Avec votre prisme, par exemple, français, si vous bossez en France. Top. Zach, un petit message pour les dirigeants qui nous écoutent? Ce que j'aimerais dire, c'est un truc d'ailleurs que j'ai appris avec toi, c'est l'adaptabilité, de toujours, toujours s'adapter. Et je trouve que c'est ça le secret de la réussite dans tout ce qu'on entreprend. C'est s'adapter aux situations, s'adapter au monde du travail, s'adapter aux interlocuteurs. Et toujours être flexible, équilibré, et voilà. Bah écoute, ça t'a bien réussi en tout cas, et merci pour tes tips. Je terminerai par toi Camille, quand même, honneur aux dames, je commence au début et à la fin. Romain, un petit message pour les dirigeants qui nous écoutent? Non, je rejoins entièrement ce que Zach vient de dire sur la flexibilité, sur un peu vraiment s'adapter à tout type d'interlocuteur. Franchement, je pense que c'est mon conseil le plus important à donner aux futurs dirigeants, enfin aux dirigeants. Oui. Yes, cool. Oui, il y a des futurs dirigeants qui nous écoutent, et vous aussi, sans doute, dans votre parcours. Donc, super. Et savoir un peu sortir de sa zone de confort, et je trouve que c'est ce qu'il y a de plus important aujourd'hui pour un peu anticiper les nouvelles tendances. Oui, ça va ensemble, mais ça complète aussi, c'est un peu différent, mais tu as raison de le dire, peut-être que quand tu côtoies des grands groupes ou des gens qui ont beaucoup d'expérience, ils ont peut-être un peu plus de mal à se sortir du cadre, etc. Et ce qu'on appelle des fois la pensée solution aussi, comme on a de l'expérience, on a déjà vécu ces situations, donc on fait comme on a toujours fait, et grâce à vous, ce petit poil à gratter là dans l'open space, ça nous permet de voir quand vous froncez un sourcil, parce qu'on est quand même attentif, hein, faut pas déconner, qu'on est peut-être un peu à côté de la plaque. Donc merci Romain pour ça.
Camille, il te revient la lourde tâche de terminer avec un message aux dirigeants de France et de l'international. Du coup, je vais reprendre un peu ce qu'on disait avant. Pour moi, le plus important pour un jeune collaborateur, enfin pour qu'il s'épanouisse dans le cadre professionnel, c'est qu'il sente qu'on a confiance du coup envers ses compétences et qu'on a confiance en lui, en fait, tout simplement. Et que certes, on est encore jeune et qu'on a encore beaucoup de choses à apprendre du coup des dirigeants, mais qu'on a aussi beaucoup de choses à apporter. Et comme disait Romain un petit peu avant, on peut être force de proposition et on peut avoir de superbes idées. Pas tout le temps, hein, mais ça peut arriver. Oui, même si on n'a pas autant d'expérience, ça n'empêche pas. Au contraire, ça donne un œil neuf, c'est tout. C'est super. Votez pour Camille si vous voulez faire confiance aux jeunes. Non, mais moi, je suis surgonflée à bloc. En fait, je vous adore. Vous avez trop de qualités, trop d'idées. Et j'espère surtout que toutes les personnes qui nous écoutent auront envie de les écouter, de les voir. Nous qui vous côtoyons en entreprise, des fois, on prend pas le temps de faire tout ça. Peut-être un dernier message. Moi, j'ai envie d'un challenge parce que souvent, je fais lancer un challenge à nos invités. Mais là, je vais le faire à votre place parce que je pense que ça agira pour vous aussi. Ce serait challenge numéro 1. Prenez des stagiaires et embaucher des juniors par les temps qui courent. Je sais que c'est pas facile. D'ailleurs, moi, je vais prendre une stagiaire complètement en remote. J'ai jamais fait ça de ma vie. Ça va pas être facile pour moi, mais si du coup vous avez des conseils à me donner, je serai archi preneuse pour savoir comment on peut bien intégrer quelqu'un dans une entreprise quand on ne la voit pas physiquement. Surtout quelqu'un qui est junior et qui ne connaît pas encore les us et coutumes et la politique de l'entreprise. Voilà. Et deuxième défi que je vous lance, la business communauté du board, c'est de reprendre contact avec vos anciens stagiaires, comme je l'ai fait, et de récupérer leur feedback, notamment leur feedback de progression, parce que maintenant qu'ils sont un peu plus affirmés et talentueux dans leur carrière, ils oseront peut-être vous dire des choses qu'ils n'ont pas osé vous dire avant. Bon, en tout cas, un grand merci Camille, Romain, Zach, Raph. Merci beaucoup pour ce temps que vous avez passé avec moi. Je vous fais une bise et je vous souhaite vraiment tout le meilleur pour le reste de votre carrière. Et bien sûr, à bientôt dans les prochains épisodes du board. Merci à toi. Merci, à très vite. Bye bye. Bye bye. Ciao. Ciao.